Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Londres, à Stamford Bridge, avec Pierre pour suivre ce match avec vous. Salut Pierre. Salut Hervé. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui Hervé, on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle, on va bien voir. Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Et ils sont à la récupération. Ah, un ballon qui est donné en profondeur. Attention, le tir. Le ballon qui est sorti, sorti de but. Passe directement dans les pieds de l'adversaire. On entre dans la zone dangereuse. Oh, le centre peut-être. Ah, très bonne intervention et donc corner derrière. Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Ouais, la prochaine fois, je pense que ce sera un carton. Mais pour l'instant, l'arbitre est Clément. Allez, dans le couloir. Eh bien, l'intervention, changement de possession. On cherche une solution. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrer. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Rendu à l'adversaire. La passe est interceptée. Barnes. Oh non. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Non, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Les 30 derniers mètres. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Barnes. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Il y a du jeu. Cherche une solution là.
essaye de trouver la faille. Allez, ça joue, il va pouvoir centrer. Attention, peut-être le centre. Ah non, cette action qui s'arrête. Venez sur l'aile. Allez, il faut centrer là. Ouais, coup franc à venir. C'est donné sur l'aile. Barnes. Oh non. La passe est coupée, bien défendue. Il est redescendu pour peut-être une nouvelle offensive maintenant. Barnes. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah ouais, les mains sur le gardien. Ah, le bon pressing chez l'adversaire. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Oh ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Bien tiré ce cornet. Cette tête qui manque le cadre assez largement. Ouais, il l'a joué comme un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Un ballon pour l'adversaire. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. On a vécu une première période assez terne. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. En profondeur, oui, bien vu. Sans danger pour l'adversaire. Ah, la bonne qualité de ses passes. Barnes. Non, c'est un petit peu fort, ce sera pour le gardien. Il faut s'appliquer sur cette possession. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Bon, c'est un boulevard qui s'ouvre devant lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il faut trouver une option disponible. On cherche une solution. L'ouverture. Et finalement, l'arbitre signale un hors-jeu.
Ouais, ça c'est bien sur l'aile. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. C'est encore plus évident quand on revoit les images. On était dans une situation de jeu nettement plus favorable pour l'attaquant que pour le gardien. Il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. On va construire en passant sur les côtés. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Oh non. Barnes. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Essaye de trouver la faille. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, on le tire. Et ça fait but. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son troisième but. Et ça fait le coup du chapeau pour lui. Ah, on voit que lui aujourd'hui. Un spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. En transversale. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Cherche une solution là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Allez, le tacle, ça sort en touche. Il alerte son partenaire dans le dos. Ouais, la frappe. Le gardien sauvé par son poteau. Ballon qui est sorti en touche. Chercher une ouverture, bien sûr. Voilà, belle intervention du gardien là pour écarter le danger. Ouais, il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Ah, il est bien tiré le corner là. Ça, c'est plutôt moyennement joué. On cherche des solutions là. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Oui, attention. Très belle lecture du jeu sur cette interception. Song. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Ouais, de l'autre côté. Il faut trouver une option disponible. Barnes. Ah mais ça joue vers l'avant. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ah oui, la bonne passe. Et il y est. Aucune chance au gardien, à bout portant. Et tout lui réussit en ce match, absolument tout. Il y a encore marqué. Ah, il est redoutable. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Barnes.
deux minutes, ce sera le temps additionnel. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. On cherche une solution. L'arbitre qui laisse jouer, attention au centre. Ouais, la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc. Il combine à deux. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a réussi un gros match. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte.
Bonjour à tous, Hervé Matou, aux côtés de Pierre Ménès, pour vous commenter ce match en direct de l'Estadio del Pueblo. C'est un match international que nous vous proposons de suivre avec nous aujourd'hui. Une rencontre test, l'occasion de voir l'état de forme de chacun et d'appliquer plusieurs schémas tactiques travaillés à l'entraînement. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. On cherche la faille dans la défense adverse. On cherche une solution là. Ah non, cette action qui s'arrête. Ça presse haut, attention à ce ballon. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Le long de la ligne de touche. Qu'est-ce qu'il a fait ? Mauvaise passe et c'est rendu direct à l'adversaire. Essaye de trouver la faille. Ah, il peut s'échapper là. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Ouais, hors-jeu, 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 signal hors-jeu. Ah, la défense qui a eu chaud. On va construire en passant sur les côtés. On cherche des solutions là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Elle frappe contrée par le défenseur. Donc il sort, ce sera une touche. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Il faut trouver une option disponible. Attention, il a récupéré ce ballon. Ah non, le ballon est perdu. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Attention, ça peut devenir intéressant. Attention, le centre. Et ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Song. L'équipe à domicile qui va donc plutôt jouer le hors-jeu en défense. Oh ouais, attention Hervé, hein, ça demande une grande concentration en défense. Ouais, on passe par les côtés. Mais non, finalement c'est un ballon perdu. Song. Ouais, lumineux cette passe. On cherche une solution. Ah, c'est superbe! L'adversaire est cloué sur place. Ouais, belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment. Il faut trouver l'ouverture. Il se présente face au gardien. Et voilà, il est! L'ouverture du score dans cette rencontre! Et ça, c'est un but qui va tout changer! On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. En profondeur, oui, bien vu. Allez, un corner pour revenir au score, peut-être. Corner qui va arriver. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Comme quoi un match peut se jouer pas. On va même pas attendre le ralenti, hein. Le hors-jeu est évident. Il s'infiltre, attention, la passe est interceptée. Et finalement, il perd de ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse.
marque un petit peu de jeu. Très mal donné, hein, ce ballon. Ah oui, la transversale, magnifique. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, le ballon en retrait. Oh, la faute, penalty. Faute dans la surface. Oh, l'entraîneur est foudra, Gervais, les choses risquent de se compliquer encore un peu plus. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Ah, Hervé. Oh, c'est pas cadré! Oh, c'est pas cadré! Ouais, ça, c'est un pénalty d'un coup bien comme il faut. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Et ils obtiennent un coup franc. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Cherche une solution là. Attention, concentré. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Alors le ballon est perdu. On poursuit son action. On se centre en retrait. C'est pas posé de question. Il a dégagé ce ballon. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires. 1-0. C'est reparti ici avec le coup d'envoi de cette seconde période. Les joueurs ont eu un peu le temps de souffler, puis surtout l'entraîneur a dû rectifier les petites choses qui n'allaient pas en première période. On est sur l'aile. La passe est coupée et bien défendue. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Taylor. Ballon qui sort, le gardien qui va donc pouvoir relancer. C'est bien en touche. Il faut trouver l'ouverture. Le ballon qui est sorti, ce sera donc un renvoi aux 5 m50.
maîtrise pas le ballon, ils le perdent. Alors, on va jouer sur l'autre flanc. Taylor. Passe. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. C'est donné en profondeur. On cherche une solution. Il y a de l'espace devant lui. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ah, la bonne qualité de ses passes. S'il avance mal au pied. Cherche des solutions là. Allez, il y a de la place dans le couloir. Cherche une ouverture, bien sûr. Il essaye de trouver la faille. Taylor. La passe est interceptée. Ah, la passe en profondeur, attention. Il repousse le tir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, oh, bien joué, il était temps. Un bon ballon d'attaque. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. On cherche la faille dans la défense adverse. Oui, bien donné, cette passe en profondeur. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. De solution en attaque, il est obligé un petit peu de dézoner, de décrocher. Attention, ça peut devenir intéressant. Un ballon pour l'adversaire. Du mal à s'en sortir, on dirait. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Taylor. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Ah, il a sorti les muscles là, pour prendre ce ballon. Ouais, bon tacle, hein, il lui a pris le ballon. Oh, que c'est bien donné ça. C'est mal joué, c'est mal joué ça. Ah là, qui s'est troué, attention, c'est dangereux. La faute, attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Taylor. Oh, c'est bien donné en profondeur. Alors, on se demande s'il y a vraiment cru. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Et faute, indique l'arbitre, ce sera un coup franc. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Un petit peu pressé sur ce ballon. Ouais,
très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, la tentative. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Et l'arbitre qui libère le bon.